Les universités, les établissements de recherche sont au cœur de la dynamique d'un territoire. C'est tout ce qui a trait à la mer et à l'océan. Et on voit que c'est à la fois évidemment source de rayonnement par la qualité de la production scientifique. C'est aussi formidablement fédérateur parce que toutes les disciplines peuvent s'intéresser à cet objet, à ces objets que sont la mer et l'océan. Évidemment, de très nombreux laboratoires en Bretagne qui ont contribué par leur recherche à la progression de connaissances. L'intérêt de le faire ici, c'est que c'est un endroit où on a toutes les disciplines qui ont été mobilisées. C'est là encore une signature de ce territoire de Bretagne. Ça me paraissait important d'être là aujourd'hui pour échanger et pour mettre cela en valeur. C'est porté par des communautés d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'étudiants qui se disent « ça c'est notre objet, c'est à nous, nous en sommes fiers, nous allons le porter ». C'est ce que j'appelle la signature d'un territoire. Et quand la Bretagne signe, la Bretagne est très bonne en fait.